cette semaine, nous allons parler de la pollution au PCB dans certains cours d'eau savoyards et même le lac du Bourget. Le PCB est un polluant industriel qui tue les poissons et leurs consommateurs. Un sujet qui n'a pas échappé à Philippe Bouvard. Oui. Et nous commençons avec une question qui nous vient d'un auditeur des Bauges. Une question de Monsieur Géchier de La Compote. Que signifient les lettres PCB désignant le polluant qui fait que les poissons du lac du Bourget nagent sur le dos? On vous écoute, Régis Laspalès. Ah, dites donc, c'est pas facile, à mon avis. Vu le nombre de poissons qui meurent, je dirais que ça veut dire les poissons crevés du Bourget. Pas du tout, mon pauvre ami. Et vous, Jean-Marie Bigard? Écoute, moi j'ai un copain qui est mort après avoir mangé un brochet qu'il avait pêché dans le Bourget. Pour lui, c'est pas compliqué. PCB, ça signifie pêche et crève au Bourget. Ce n'est pas faux, mais je vois que c'est Johnny qui a peut-être la bonne réponse. Que moi, si je raconte la réponse, c'est en chanson. Musique. Le jour pour j'ai en pêchant, j'ai sorti un poisson mutant. Il avait des moustaches, mon gars. On m'a dit c'est un poisson chat. Ça craint lorsque la pollution fait que les chats se prennent pour des poissons. Ah que t'as compris, PCB veut dire poisson chat au Bourget. Comme ça nous fait du bien chaque vendredi soir. Pierre Gasparini, on peut en savoir davantage sur vos spectacles sur www.bleupaysdesavoie.com à la rubrique Agenda. Qu'est-ce que vous... Bonsoir Pierre. Bonsoir Kamel. Et cette semaine, on va revenir sur l'ouverture de la pêche avec cet article dans le Dauphiné Libéré qui expliquait les bonnes techniques pour bien ferrer. On imagine qu'un jour des élections régionales, les leaders politiques sont loin de ces préoccupations-là, hein, n'est-ce pas, monsieur Jean-Marie Le Pen? Écoutez, monsieur Kamel, pas du tout. Au contraire, au Front National, on aimerait bien connaître une technique pour repêcher un maximum de voix dès l'ouverture des bureaux de vote, n'est-ce pas? Attendez, c'est pas pareil. Mais bien sûr. Sûr que si! Vous n'imaginez pas à quel point on rame pour ramener des voix, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous allons de plus en plus bas pour accrocher les thons et autres vieilles morues susceptibles de tomber dans les filets du Front National. Surtout que, depuis que l'UMP pêche au milieu de nos lignes, comme vient encore de le faire R. Gerhard Longuet, avec ses phrases qui font fureur, l'UMP se partait pour qui est le PCB du Front National. Bon, allez, du balai, on va rester dans les élections et s'intéresser à ce qu'en pensent les jeunes. Un sondage paru cette semaine montre que ces derniers, je cite, ont du mal à trouver une place dans les partis. Vous n'avez pas l'air d'accord, Popek? Ah, moi, les petits jeunes, je trouve qu'ils trouvent facilement de la place, bien plus facilement que ce que tu dis. Tu n'as qu'à venir dans mon immeuble et tu vas voir que les jeunes, ils la trouvent assez, leur place, pour squatter dans les parties communes. Ils ont même mis un système d'échauffage au point. Ah ouais, c'est-à-dire quoi, ça? C'est un système d'échauffage au point. C'est-à-dire qu'ils se tapent des scies pour se réchauffer. Un système d'échauffage au point, au nez et à la vie des tous. Ok, Popek, on a compris. Des fois, je me demande ce que vous avez contre les jeunes, franchement. Ce que j'ai contre les jeunes? J'ai une bombe lacrymogène, un couteau, une matraque et une carte du MCG, les partis nationalistes d'Éric Stauffer. D'accord, on comprend mieux. Avec Pierre Gasparini, merci encore une fois pour cette petite revue de presse décalée, Pierre. Voilà, de rien. Bravo, toujours aussi talentueux. Et en plein progrès. En même temps, une... Et puisque nous sommes à l'entre-deux-tours des régionales et que Jean Ferrat nous a quittés, nous allons invoquer son esprit pour savoir ce qu'il pensait de ces élections. Allô, il y a quelqu'un? Il quitte à main le parti, les partisans de Sarkozy, revend ta carte UMP. Depuis longtemps on le savait, qu'un jour à droite ça craquerait, un peu comme les digues en Vendée.
Les vieux, ça n'était pas original. Ils avaient voté Front National, les indécis pour les verts. Les gagnants sont les écolos et le blaireau, le père Sarko, qui du coup lui aussi est vert. C'est pas pire qu'un modèle. Des roues, c'est ridiculisé. Ces électeurs les plus fidèles, comme la lepage, se sont barrés. Et avec l'arrivée du printemps, il est temps de parler de mode. Alors que faudra-t-il porter pour être chic ce printemps? Bonsoir Karine. Ce printemps, perso, je changerai de veste. La mienne est usée à force de la retourner, vous savez, un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant, un coup derrière, ça m'excite. Oui, excusez-moi, mais je vois François Bayrou qui passe devant le studio en faisant le V de la victoire. C'est osé après le score du Modem. Écoutez Karine, pas du tout, je crois que vous n'y êtes pas. Dans son cas, les deux doigts levés, ça veut plutôt dire qu'ils ne sont plus que deux. Ah oui, ça semble un peu plus réaliste. Merci Jacques Lang. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, ce week-end? Écoutez, je pense que s'il fait beau, un habitant de Courchevel m'a dit « Tiens, il y a trop de Russes, alors j'irai me faire bronzer la raie à l'air afin de les faire partir. » Vous allez aussi, vous, aller à Courchevel, Pierre Gasparini? Peut-être, pourquoi pas. Ben oui, pour skier, par contre. Oui, si c'est pour aller en séjour, que si je gagne l'auto. Oui. Bon, on va vous retrouver la semaine prochaine, toujours à la même heure, au même endroit, avec beaucoup de plaisir, mais on peut vous retrouver aussi sur MySpace. Voilà, en tapant mon nom sur Google, Pierre Gasparini, vous tomberez sur mon blog. Et voilà. Bonne soirée, bon week-end. À vous aussi, Karine, au revoir. France Bleu.